Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit indisposé. Chapitre 17, nous lisons la parole de Dieu. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient. Pour nous terrasser, on dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon, pasteur, donne-moi l'ancien apôtre, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Pasteur, donne-moi l'ancien. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oui, gloire te soit rendue encore ce soir, notre Père. Parce que nous réalisons que nous sommes un peuple privilégié, parce que tu es réellement vivant. Tu nous as fait la promesse d'être avec nous, de pouvoir réellement nous conduire et nous éclairer encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est encore dans un temps comme ceci que nous avons tellement...
besoin de ta lumière pour pouvoir nous éclairer, afin que nous puissions vraiment poser les pas avec assurance, mon Sauveur. Nous voulons vraiment marcher avec certitude, notre Dieu, pour que ce jour-là, lorsque la trompette retentira, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous puissions aussi entendre nos noms être appelés, mon Père. C'est pourquoi nous efforçons de pouvoir te plaire encore dans ce monde dans lequel nous sommes, désirant vraiment, Père Saint-Dieu, revêtir ce que toi, tu nous as déjà fait promesse, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous avons besoin de toi encore, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous soupirons après toi, nous soupirons après ces changement, cette transformation, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, nous avons entendu parler de toi. Nous voyons de plus en plus réellement la lumière s'éclairer, voyons réellement combien tu es le Dieu qui tient vraiment à tes promesses à toi. Oh oui, certainement, c'est vrai, tu as raison quand tu parles, Père. C'est pourquoi nous inclinons devant toi pour te dire, Père Saint-Dieu, pardonne encore nos péchés, nos iniquités, nos manquements, mon bien-aimé Père Dieu. Lève-toi et prends le contrôle encore de nos âmes, mon bien-aimé, parce que nous avons tellement besoin de voir qu'on continue encore la marche avec toi, Père Saint. Merci encore pour ce des cantiques qui ont été chantés encore ce soir. Merci encore pour ton peuple rassemblé en quoi différents endroits où il se trouve encore aujourd'hui. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, bien-aimé Père Tibissant. Les secours, nous avons tellement besoin de venir que de toi seul, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement notre secours et aussi notre appui. Le pardon se trouve auprès de toi, mon bien-aimé Seigneur. C'est pourquoi nous revenons à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour t'implorer encore grâce. Sois avec nous encore ce soir. Merci pour ta présence divine, mon bien-aimé Père Dieu. Merci ce que tu pouvais encore pour tous nos besoins, Père Saint. Merci encore pour la santé, la force, Père. Sois béni encore, glorifié encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié, mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit donc glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour le souffle de vie qui nous a donc accordé la grâce de pouvoir avoir. Et c'est cela aussi que nous pouvons nous écrier aussi comme cet homme qui a eu la grâce de pouvoir réellement aussi être encore guéri par le Seigneur et surtout que le séjour sur la terre soit prolongé, qui a certainement cet écrit en disant, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent comme moi aujourd'hui. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur encore pour la lumière qui ne cesse de pouvoir réellement aussi répandre sur nous, afin que nous ne marchons plus en tâtonnant dans les ténèbres, mais que nous puissions réellement avancer avec beaucoup d'assurance sur cette terre dans laquelle nous sommes. Nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a eu à pouvoir parler aussi d'une manière assez claire et précise, pour que nous ne puissions pas être comme ceux-là qui sont encore dans les hésitations, mais pour que nous puissions avoir réellement aussi la certitude, effectivement, de la véracité de ces dieux dans ses paroles et aussi dans ses actions aussi, parce que lorsqu'il dit, la Bible nous fait savoir, effectivement, que quand il dit, la chose arrive, et lorsqu'il ordonne, elle doit réellement aussi exister. Nous sommes de ceux-là qui peuvent aussi rendre témoignage dans ce monde que le Dieu qui a eu à pouvoir agir effectivement dans les temps anciens, qui a parlé effectivement aussi à Adam, et puis aussi parlé aussi effectivement aussi à Noé, et puis qui a parlé aussi à Abraham en conduisant effectivement aussi le peuple d'Israël aussi en dehors de l'Égypte, effectivement aussi qui a eu à pouvoir préserver ce peuple, effectivement, jusqu'à ce qu'ils arrivent, effectivement, dans leur pays de la promesse. Ces dieux est vraiment vivant encore aujourd'hui. Nous sommes de ceux-là qui pouvons aussi témoigner que ce qui a été raconté, effectivement, nous l'avons aussi à pouvoir aussi l'expérimenter aussi, dans ce que les Saintes Écritures nous ont montré, nous ont fait part, effectivement, que le Seigneur avait fait part, effectivement, avait eu à pouvoir donner la promesse à ses disciples de pouvoir attendre effectivement ce que le Père avait donc fait comme promesse, donc cette puissance se trouvant dans une puissance d'en haut effectivement, et ils ont obéi à ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, ils ont été dans la chambre haute, ils l'ont aussi expérimenté effectivement comme les Saintes Écritures l'ont témoigné. Et nous pouvons dire aussi effectivement avec certitude que ce qui a été écrit effectivement, que les témoignages qui ont été rendus par ceux-là qui ont eu à voir réellement prendre part à ce que le Seigneur avait dit et qui ont puis aussi l'expérimenter. Nous aussi, nous l'avons aussi expérimenté. Nous sommes de ceux-là qui peuvent aussi rendre témoignage, effectivement, de l'amour de ces seigneurs, effectivement, dans la vie des hommes, effectivement, comme cela a été témoigné aussi dans les Saintes Écritures, effectivement, quand on pouvait voir qu'effectivement, qu'il était aussi touché par les infirmités. Il a toujours été touché par les infirmités, effectivement, dans les Saintes Écritures. Combien il guérissait les malades, combien il guérissait les morts, effectivement, combien il pouvait voyez pour
le besoin. Quand le peuple ne veut pas, il va pouvoir avoir à manger. Il donnait effectivement ce qui était nécessaire pour qu'il mange. Nous pouvons témoigner aussi cela aussi aujourd'hui encore. Pourquoi nous voulons le témoigner? Parce que le Jésus de la Bible, effectivement, est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons qu'effectivement, que ce que l'Écriture a eu à pouvoir ainsi déclarer, nous sommes aussi dans notre aussi aujourd'hui. Et nous avons aussi cette expérience que ceux qui ont eu à pouvoir, c'est pour ça que dans les saintes Écritures, ces hommes de Dieu conduits par l'Esprit du Seigneur, nous démontrant effectivement par cet Esprit effectivement que notre Seigneur ne change pas ce qu'il a fait dans les temps anciens, puisqu'il est le même, il ne peut pas changer. Dans les livres des Hébreux, je pense au chapitre 4, là nous voyons ce que les Saintes Écritures nous témoignent aussi par rapport à ce qu'il en est pour que nous puissions comprendre qu'effectivement que nous aussi nous devons avoir un témoignage vivant de ce que Dieu a fait dans le temps passé. Eh ben, ce n'était pas simplement que les gens avaient eu à pouvoir écrire des choses qu'ils avaient imaginées. Non, c'était la réalité, effectivement, parce que le même Dieu le fait aussi dans notre temps. Hébreux au chapitre 4, je pense au verset donc 1, il nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Et cela nous montre effectivement que, ah oui, dans les temps passés, effectivement aussi, il avait parlé effectivement de cela, en rapport avec l'exode qui a eu à pouvoir lieu, effectivement, au temps où le Seigneur a eu à pouvoir également aussi envoyer Moïse, lorsque son peuple était en esclavage dans le pays, effectivement, d'Égypte. Et cela, nous comprenons qu'il avait eu à pouvoir annoncer effectivement aussi cela, hein, qu'effectivement que la postérité d'Abraham serait donc asservie pendant 400 ans et puis après il viendrait le faire sortir effectivement. Et au temps marqué, Dieu est descendu effectivement pour le faire sortir effectivement de l'esclavage dans lequel il se trouvait, pour le conduire effectivement dans le pays où coule le lait et le miel. Alors on nous dit ici que nous avons entendu que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous, effectivement, ne puisse paraître arrivé trop tard ou être venu trop tard. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc nous réalisons qu'effectivement que c'est cette même parole que le Seigneur a eu à pouvoir aussi, parce qu'il veut toujours démontrer qu'il est le Dieu qui ne change pas, qui parle aussi, qui accomplit aussi davantage. Et comme il avait fait la promesse effectivement du baptême du Saint-Esprit, dans les Saintes Écritures effectivement, ceux qui avaient réellement cru à cela, comme Pierre, les apôtres effectivement, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils l'ont aussi expérimenté dans toute sa puissance effectivement, comme le Seigneur l'avait dit. Et nous pouvons aussi témoigner aujourd'hui effectivement que nous aussi, effectivement, que nous avons ce témoignage qu'effectivement que ce que Dieu avait eu à pouvoir dire et ce que aussi Pierre a eu à pouvoir aussi rapporter encore davantage pour nous rappeler cela, dit mais cette promesse est pour vous en rapport avec le baptême du Saint-Esprit, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont aussi loin en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Nous aussi, nous l'avons aussi expérimenté. Et nous remercions Dieu effectivement pour sa fidélité et cela pour que le croyant ne puisse pas penser que le Seigneur notre Dieu est un Dieu qui a fait des grandes choses dans les passé. Mais dans le présent, aujourd'hui, à cause de l'évolution, à cause effectivement du modernisme, effectivement, eh bien, la puissance de Dieu a changé. Non, monsieur, c'est l'homme, effectivement, avec son état qui s'est éloigné, effectivement, de la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu demeure toujours la même. Dieu ne peut pas varier. Il n'y a pas honte de variation ni de changement en lui. Donc, de la même manière qu'il a eu pour agir des temps passés avec une telle puissance, eh bien, il est fait encore aujourd'hui. C'est à nous de nous approcher de la bonne manière pour que nous puissions réellement aussi recevoir ce que Dieu a dit. Alors il dit, mais quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas effectivement de la foi chez ceux qu'ils entendirent. Là, la chose qui est aussi importante aussi, on l'a remarqué qu'effectivement que oui, ces hommes-là sont sortis, et ça c'est l'Écriture que nous témoigne aussi, ils sont sortis avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, effectivement, et sur le chemin, ils ont montré effectivement aussi leur nature en réalité aussi, parce que il faut qu'on se souvienne quand même que Dieu, il n'est pas comme un homme, effectivement, il n'est pas quelqu'un qui oublie les choses, quand il a des principes, il ne peut pas déroger à ses principes, il fait les choses comme il a toujours eu à pouvoir les faire, depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, effectivement. Il avait dit que
Là, les pays, effectivement, de la promesse, effectivement, c'était pour la postérité d'Abraham. Or, la postérité d'Abraham doit avoir la foi d'Abraham. C'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir rappeler dans Jean au chapitre 8. Il nous dit, parce que ceux-là se sont aussi dit, voilà, nous, tu peux pas nous dire, effectivement, que nous sommes des enfants illégitimes. Non, nous ne pouvons pas être des enfants illégitimes. Jean chapitre 8, je pense à cela, le verset 30, il dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Après, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il répondit, mais notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Ah, cela, Abraham ne l'a point fait. Donc, effectivement, que la postérité d'Abraham est celle qui croit réellement la parole de Dieu. Et celle qui a réellement aussi la foi, comme Abraham avait la foi. C'est pour ça que quand Dieu les a fait sortir, effectivement, ce n'est pas un Dieu de désordre. Non, monsieur, non, madame, non, c'est un Dieu, effectivement, qui sait ce qu'il fait. Et qu'il ne supplie pas quelqu'un, mon frère et ma sœur. Et qu'il ne manquerait pas, effectivement, aussi des gens pour croire en lui, ni pouvoir l'adorer de la bonne manière, effectivement. Parce que lorsque la parole est sortie de sa bouche, effectivement, la parole crée les hommes et crée aussi des circonstances, effectivement, qu'il faut pour que dans le cœur des hommes, qu'il y ait ce que Dieu attend. Donc, c'est ainsi que, le faisant sortir, effectivement, ils avaient passé par les déserts. C'était pour les épurer, pour les éprouver, effectivement, pour que on voie, effectivement, à l'intérieur ce qu'ils sont. Est-ce que ils ont vraiment la foi comme Abraham? Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, effectivement, bien qu'Abraham n'avait pas vu cette postérité, la Bible dit qu'Abraham crut en l'Éternel. Et cela lui fut imputé, donc, à justice, en réalité aussi. Et là, il n'avait pas vu, effectivement, cette terre promise. Mais Abraham l'avait déjà visité, effectivement. Mais avant qu'il puisse, Dieu l'avait fait la promesse pour la postérité. Il a cru qu'il aura une postérité, effectivement, comme les étoiles du ciel, puisque Dieu lui avait dit. Ça montrait qu'Abraham, effectivement, avait tout le temps confiance en Dieu. Il ne demandait pas d'avoir de pouvoir voir, mais il croyait d'abord ce que Dieu avait dit. Et on leur a fait sortir, effectivement, de l'Égypte en envoyant un puissant prophète comme Moïse. Effectivement, Dieu a démontré les miracles, effectivement, parce que Abraham... Quand Dieu lui a parlé, effectivement, qu'il allait avoir, il a dit, vous voulez recevoir les étoiles du ciel, Abraham a cru. Il n'avait pas attendu qu'il attende des tonnerres, effectivement, pour gronder, pour dire, ah, vas-je quoi, effectivement. Non, il a cru simplement ce que Dieu lui a dit. Mais eux, on l'a même démontré la puissance de Dieu, les plaies qui sont tombées, effectivement, en Égypte, effectivement, comment Dieu les avait protégés par rapport aux Égyptiens. Dieu a démontré qu'il était leur Dieu. Dans toutes les circonstances, effectivement, pendant les temps, effectivement, où les plaies tombaient sur l'Égypte, effectivement, et ils avaient tout. Et voilà que Dieu les fait sortir, effectivement. Il devait avoir confiance parce que c'était du surnaturel. Que Dieu les avait, effectivement, démontré. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mais ils sont tous morts. C'est ce que c'est, ce point-là, il n'y a pas de miséricorde, mon frère. Et voilà que Dieu leur a démontré, effectivement, que pour tout ça, je prends. Et même dans les déserts, pendant qu'ils tentaient Dieu, Dieu leur a dit. Dieu a dit, Dieu, le Seigneur l'a dit aussi, quand nous pouvons lire dans le psaume, dans les Hébreux, au chapitre 3, je pense. C'est là que, la colère de Dieu s'est enflammée parce qu'il est patient. Il a eu à pouvoir patienter, mais il a démontré, effectivement, ses capacités aux hommes d'une manière aussi puissante et grande, effectivement, ces hommes et les femmes devait avoir confiance, dit, mais c'est extraordinaire. Déjà traverser la mer Rouge, mon Dieu, il devait croire effectivement que c'est Dieu est capable. Mais voilà ce que le Seigneur dit ici dans le livre des Hébreux au chapitre 3, je pense que c'est cela. Et parce que nous devons revenir dans cela. Il dit, verset. Voilà. Il dit, Hébreux chapitre 3, il dit, verset. Verset 7, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme
lors de la révolte, effectivement, au jour de la tentation où c'est dans le désert. Déjà dans le pays d'Égypte, ils ont vu beaucoup de choses, effectivement. Comment Dieu a eu à pouvoir les protéger. Il faisait tellement si noir et ténébreux chez les Égyptiens, mais chez les Israéliens, où ils étaient, effectivement, le soleil brillait, effectivement. Donc là-bas, il y avait des pleurs, ici, il y avait donc la joie, effectivement. Donc tout ça, Dieu leur a montré, effectivement, qu'il pouvait faire la, il a fait la différence, que je suis votre Dieu. Et voilà qu'en sortant maintenant dans le désert encore, il continuait. Et puis le Seigneur dit ici, il dit ceci, que, au jour de la tentation dans le désert, il dit, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Bien sûr que oui. Quand ils étaient dans le désert, effectivement, ils disaient, mais ici, nous n'avons pas, il faut du pain, on veut manger du pain, effectivement, tous sont là, l'Utslate. Mais le Seigneur n'ira pas laissé, c'est non comme ça. Il dit, mais, il savait très bien. Il dit, mais, tu nous as amenés ici, il n'y a pas de pain, il n'y a rien, et ceci et cela, effectivement. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné la manne du ciel. Oh, nous n'avons pas la viande, effectivement. On meurt de faim, effectivement. Paf! Il a envoyé les cailles, effectivement. Et ils pouvaient manger. Oh, nous n'avons soif, effectivement. On peut trouver de l'eau, effectivement. Il s'est plaigné tout le temps, ce peuple, effectivement. Donc, quand il s'est plaigné, Dieu donnait quand même. Maintenant, ils avaient soif, effectivement. Dieu a donné aussi de l'eau. Donc, tout ce qu'ils ont demandé, effectivement, malgré qu'ils murmuraient, effectivement, mais Dieu donnait quand même. Et pourtant, écoutez bien ce qu'il dit ici. Sa patience, il dit, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. C'est vrai, cela. Peut-on avoir du pain ici? Il disait cela parce qu'il dit, mais c'est pas possible ici. C'est pour ça que même quand on arrivait, quand c'était le jour où ils étaient devant la mer Rouge, effectivement, on s'est dit, oh, il n'y avait pas d'oignon là-bas, il n'y avait pas de tombeau là-bas, comme si Dieu les amenait là-bas pour les tuer, effectivement. Aussi. Donc, tout ça pour dire que, ah, mais Dieu n'est pas capable de nous amener, ils amènent à cet endroit. Et puis Dieu n'a quand même fait qu'ouvrir la mer, effectivement, ils sont passés. Nous avons fait, effectivement, il savait, il dit, mais ici dans le désert, mais où est-ce qu'il va trouver la nourriture pour nourrir autant de peuples comme ça? C'est comme ça qu'il prouvait. Alors ils éprouvaient, c'est-à-dire, mais parce qu'on sait bien que nous sommes tellement nombreux, on va avoir des vaches où il n'y a pas assez. Mais nous voulons la viande, nous voulons la viande. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand tout attendait, ils ne s'y attendaient pas? Les cailles. Ils en ont mangé, parce que les cailles, c'est vraiment une viande aussi. Ils en ont mangé, même ça pouvait sortir de leur bouche. Oui, parce que c'était tellement nombreux. Eh bien, s'il dit, mais où est le boulanger pour faire du pain, effectivement? Mais la manne est tombée, ils ont mangé beaucoup, effectivement. Donc il a mangé tout le temps. Donc, il dit, mais ils me tentèrent et me prouvèrent. Et puis, il dit, qu'est-ce qu'il dit, effectivement? Il dit, mais, il dit qu'il vit et il vire mes œuvres. Pendant combien? Pendant un an? Pendant deux ans? Pendant trois ans? Parce qu'il faut quand même comprendre que Dieu a la patience. Pendant 40 ans! Comptez un peu, mon frère et ma sœur. Jour pour jour. Donc, le premier jour. Jusque 40 ans. Donc, pendant ce temps-là, ce peuple ne faisait que murmurer. Et ceci et cela. Et Dieu l'a béni. Oh, que Dieu soit béni. Que tu sois béni. Et, écoutez bien. Il dit, mais, pendant 40 ans, là, malgré qu'il murmurait ainsi, effectivement, Dieu soit béni aussi pour cet homme qui était maudit. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit que pendant 40 ans, leurs vêtements ne s'usèrent point, ni leurs chaussures. Donc, Dieu prenait soin de tout. Mais il se plaignait toujours. Jamais satisfait. Jamais de reconnaissance, quand même. Que Dieu, oh, pardonne-nous, Seigneur, nous sommes pleins hier, nous avons vu que tu as fait ceci. Frères et sœurs, déjà, quand même, c'est vrai, c'est quand même qu'extraordinaire. Tu t'es plein, effectivement, tu as demandé, et puis Dieu t'a donné. Et puis, quelques temps après, effectivement, une autre épreuve vient sur le chemin. Tu veux encore te plaindre, encore, tu oublies ce que Dieu a fait. On lui dit, mais Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu viens de faire pour moi. Et cela va me servir aussi que dans les jours à venir, je me suis souvenir de ce que tu as fait pour moi. On nous dit, compte les bienfaits de l'Éternel. On oublie, effectivement, devant l'épreuve, on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Mais Dieu est toujours patient. Dieu est toujours bon. Malgré qu'ils murmuraient, malgré qu'ils s'élevaient, effectivement, leurs chaussures, là, ne s'usaient point. Amen, amen. Leurs vêtements, ça n'en était pas compte, effectivement, que Dieu prenait soin de leurs vêtements, sans s'en rendre compte. Ils murmuraient, oui, qu'est-ce que ce Dieu peut faire, effectivement? Mais ils s'occupaient de leurs vêtements. Vraiment. Est-ce qu'il est capable? Mais ils s'occupaient de leurs chaussures. Amen, amen. Pendant qu'ils murmuraient, effectivement, ils murmuraient pendant 40 ans, donc, comptez, mon frère et ma soeur, 40 ans. Jour pour jour, et on murmure contre Dieu. Alors que pendant 40 ans, Dieu prend soin d'eux. C'est la même chose aussi pour toi. C'est vrai, nous chantons ces cantiques. Compte le bienfait de l'Éternel. Ça ne va pas être une répétition qu'on fait, mais c'est même quand on est pendant les moments les plus difficiles, assieds-toi. Oui, commence à compter les bienfaits. Quand tu étais dans telle épreuve, dans telle difficulté, effectivement, quand on a prié pour toi, quand tu t'es mis à genoux, quand tu as demandé la grâce de Dieu, Dieu ne l'a-t-il pas fait?
Si Dieu l'a fait en ce temps-là, n'est-il pas capable, effectivement, puisque ce même Dieu, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-il pas capable encore de pouvoir le faire? C'est ça ce qui a manqué au peuple d'Israël. Il a dit, mais je suis l'Éternel, je ne change pas. Il devait savoir parce que, moi, vous savez que c'était en fait une tradition orale. On leur parlait, en fait, donc, ce qu'Abraham avait vécu. Parce qu'ils avaient un témoignage que le fait qu'on soit comme ceci, on vient du surnaturel. Sarah était stérile, effectivement. Et Dieu a fait qu'une femme comme un arbre sec, effectivement, qui était déracinée avec les racines des asséchées. Ça devrait dire, vous direz, oh, frère Léonard, c'est pas possible, je raconte des choses comme ça. Mais dites-moi, les bâtons d'Aaron, la verge d'Aaron. Ah, vous ne savez plus. Verge d'Aaron, effectivement, sec, une verge, c'est pas comme sec. On l'a mis simplement dans la présence du Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé? Un bâton sec. Dans la présence du Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Mais dans la nuit, ça bourgeonnait, et puis ça portait des fleurs, et puis ça donnait des fruits. Ah oui, Dieu est capable. Et il devait quand même se dire, mon Dieu, comment peut-on douter de ce Dieu? Parce que d'un seul homme, nous voici. Parce qu'il avait dit, Abraham, oh que Dieu soit béni pour Abraham. Abraham dit à Abraham, contre les étoiles, Abraham a cru cela. Mais en Égypte, ils étaient aussi nombreux. Mais il y avait seulement d'un seul homme, Abraham. Qui a eu cela. Parce que il a eu confiance. C'est pour ça, je crois que quelque part, il dit, mais c'est par la foi, à cause de sa foi, effectivement, que, eh ben, il y a eu une postérité, effectivement, comme les sables, comme les étoiles du ciel. Ce qui est écrit, effectivement, c'est en rapport avec Abraham. Simplement, par cela, c'est souvenir que oui, c'est vrai. Dieu est capable. Pour ça, j'aime des hommes comme Josué et Caleb. Alors que le peuple a pu manger, a pu voir effectivement ce que Dieu a fait, au travers des airs, effectivement, arriver encore devant, là, la terre promise, juste devant eux. On a dit, envoyons des gens pour aller explorer les pays, effectivement, et les gens reviennent. Dieu nous a nourris pendant tout le chemin, on a murmuré, même quand on était encore à sec de bord, on dit, mais le rocher qui nous suivait, ce rocher nous suivait. On le buvait, mon frère et ma soeur. Ils ont vu du surnaturel. Ah oui, c'est écrit dans le livre de Corinthiens. Alors là, arrivé maintenant aussi, après d'avoir vu cette main puissante, comment Dieu a repoussé l'ennemi, comment Dieu pouvait combattre pour eux, comment effectivement les choses se passaient, ils ont mis, et puis arrivé maintenant à cet endroit-là, à Kadès Barnéa, on envoie des espions pour aller explorer le pays. Ces hommes parcourent effectivement, Dieu avait dit, ils n'avaient pas vu cela. Ces gens étaient prisonniers là-bas, effectivement. Enfin, ils étaient esclaves là-bas, effectivement. Ils n'avaient jamais pu être sentis libres, effectivement. Et Dieu leur dit, effectivement, que c'est un pays où coule le miel, où vous n'avez même pas planté, mais les choses sont déjà là pour vous. Vous savez, avec leur façon de voir, vous savez, c'était pas. Ils disaient, mais c'est peut-être pas possible. Mais quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa, Dieu voulait leur donner la preuve. À Kadès Barnéa, on a envoyé des esprits, ils sont partis. Ils sont revenus. Même ceux qui avaient, ils sont revenus tous. Et tous ont dit, mais en tout cas, ce que Dieu avait dit, la terre, le pays, est comme Dieu l'avait dit. Donc si c'est comme Dieu l'avait dit, effectivement, alors glorifions ce Dieu, parce qu'il dit la vérité. Même si on avait eu à pouvoir douter de ce tout le chemin, effectivement, mais en fait, quand lui l'avait dit, c'était un bégoulé de miel, on l'a vu, il dit, mais voyez donc la preuve. Alors mon frère, qu'est-ce qui a empêché de pouvoir simplement se mettre à genoux et s'incliner devant les Seigneurs, mais Seigneur, tu es grand, ce que tu as dit était vrai. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le mais sort. C'est ça le problème. Quand le mais sort, ça veut dire que tu as oublié tout ce que Dieu a fait. Et aussi, tu ne vois pas ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Oui, monsieur, oui, madame, c'est ça le problème, le mais. Le Seigneur a dit, mais, quand tu arrives avec le mais, c'est les doutes qui rentrent en conscience. Tu n'as pas besoin de mais. Si il a dit, c'est pour ça que quand Josué est venu, eux, ils sont venus, effectivement, ils ont dit, oui, le pays, comme le Seigneur a dit, effectivement, mais. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais ajouter. Si c'est ce que Dieu a dit, il n'y a pas de mais. Parce que le mais, alors à ce moment-là, l'ennemi profite pour pouvoir injecter maintenant. Parce que avec le mais, tu as complètement aussi une position telle que tu ne crois pas ce que Dieu, tu ne crois pas effectivement que Dieu est capable de voir faire plus que cela. Ah oui, parce que tu dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais nous ne sommes pas capables. Alors, ils ont oublié une chose. C'est ça toujours le problème qui nous arrive tous, effectivement, l'amnésie spirituelle.
Il fallait qu'il se pose la question. Nous étions esclaves là-bas, en Égypte. Pharaon dominait sur nous. Quelle est la capacité que nous avions, nous, pour quitter l'Égypte et sortir comme les hommes libres? Il n'y en avait aucune. Comment ils sont-ils pas sortis effectivement de l'Égypte? Parce qu'ils ont combattu les capacités. Non, c'est Dieu qui l'a fait sortir. Abraham puissant, il a neutralisé même Pharaon et son armée. Il leur a montré, dit, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte pourquoi je vous ai amené ici? Vous ne savez pas, mais c'est pour votre bien. Pour ne plus avoir des cauchemars la nuit, que quand on campe quelque part, ah, Pharaon va nous poursuivre. Vous avez dit, non, 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 je vais vous délivrer de votre cauchemar. C'est quoi ça? Dieu a fait venir Pharaon et son armée. C'était l'armée de Pharaon qui conduisait. Oui, bien sûr, qui maintenait l'esclavage, tous les peuples de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Devant le peuple, effectivement, ils sont venus, et voilà que Pharaon, avec son ardeur, effectivement, Dieu a d'abord montré qu'il va d'abord préserver son peuple. La colonne de feu s'est mise là-bas, entreposée entre eux. Dieu protégeait son peuple. Il a ouvert la mer rouge. Oh, oh, parce que bon, il doutait, il disait, mais on va mourir ici. Dieu, compatissant, miséricordieux, là, en la colère, il a ouvert. Et le peuple est passé. Arrivé de l'autre côté là-bas, ils ont chanté des chants glorifiant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, maintenant, mais je vais vous montrer pour que vous puissiez voir effectivement que je ne fais jamais des choses à moitié. Je fais complètement et totalement à la perfection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer. Maintenant, Pharaon a dit, mais ce sont des humains. Si, ils peuvent passer effectivement, moi aussi. Mais c'était, il y a une grande différence. Ce peuple-là était sous la colonne de feu. Sous la conduite de Dieu lui-même, effectivement. Mais eux n'avaient pas accès à cette alliance avec Dieu. Parce que c'est un peuple qui avait fait alliance avec Dieu. Il est rentré et Dieu a voulu maintenant montrer la délivrance totale au peuple. C'est comme ça que la mer engloutit effectivement l'armée de Pharaon. Je crois que si ce peuple pouvait être reconnaissant, dit, mais Seigneur, comment nous, effectivement, on pouvait détruire effectivement cet ennemi? On ne pouvait pas le faire. Mais c'est toi qui nous as délivré, effectivement. On devait chanter et glorifier Dieu, effectivement, la délivrance totale que Dieu a accordée à son peuple. Et se souvenir de cela, comme il veut dire, mais nous ne sommes pas capables. Mais la capacité ne vient pas de moi, mais de Dieu. Par celui qui nous a délivré, effectivement, de l'Égypte. On doit, frères et sœurs, nous avons un problème d'amnésie. C'est pour ça que nous avançons un pas, nous reculons 50 pas. Pourquoi? À cause de l'amnésie. On oublie, effectivement. Et oui! C'est vrai qu'on dit que Dieu est tout puissant. Mais on ne le croit pas profondément qu'il est capable de faire beaucoup de choses pour nous. Non. C'est pour ça qu'on est toujours statique, mon frère et ma soeur. Et on pense qu'on avance, non, on ne fait pas, et puis pou, 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 on recule encore davantage derrière. Mais c'est vrai. Ce que Dieu veut que, c'est ce que nous puissions avoir l'assurance de ces dieux dans toutes les circonstances dans lesquelles, parce que nous devons savoir encore, frères et sœurs, que nous qui sommes de l'âge de la Odyssée, les épreuves que nous allons avoir sont encore beaucoup plus difficiles aussi. Ah, vous direz, mes frères, pourquoi donc et comment donc? Mais mon frère et ma sœur, sentez d'abord un petit vent qui vient, mon frère et ma sœur, parce que la Odyssée, c'est le dernier âge où tout se concentre. Ça veut dire que Satan va mettre toute son énergie, parce que tout se concentre ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne devez jamais oublier ce que vous avez entendu ici, que nous, quand nous regardons la dernière bête, c'est dans l'Apocalypse chapitre 13. Regardez bien comment cette bête est, puisque même Daniel, quand il l'a vu, il était effrayé. C'était la bête la plus terrible, là. Et toutes les autres bêtes, effectivement. Parce que tout est concentré là-dedans. Il doit broyer, il doit, oui, bien sûr. Parce qu'il veut tout détruire. C'est-à-dire que tous les démons, tout ce qui s'est passé dans les temps d'avant, je répétais ici, vous pensez que vous dormez. Mais en fait, ils vont se concentrer ici. Vous ne voyez pas, mon frère et ma soeur, parce que c'est le point final. Le diable doit avoir toute sa puissance aussi pour la déployer. Comme il copie toujours. Parce que Christ doit descendre et demeurer pleinement dans son épouse. C'est comme ça qu'on doit le voir, effectivement, bien sûr. Et Satan doit aussi s'incarner. Et agir, effectivement. C'est pour ça que vous voyez quand même, comme je vous parlais tout à l'heure avec des frères, nous en parlons, nous échangeons, effectivement. Vous voyez pas qu'aujourd'hui, on vous dit, on ne va pas vous donner telle liberté. Vous voyez comment on commence à être, donnez-nous ne fût-ce qu'un jour. Mais vous étiez quand même un homme libre. Vous commencez à supplier pour qu'on vous donne, effectivement, qu'on vous ouvre vos magasins. Mais ce sont vos magasins. Qu'on vous ouvre, donnez-nous un jour ou trois jours pour le magasin. Mais quand même, nous sommes censés être un peuple libre.
des hommes libres, effectivement, qu'on entreprend librement. Donc, c'est quand même la liberté, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est fondamental, la liberté, effectivement, des hommes, effectivement. C'est dans la constitution, même dans le droit, ce droit qu'on appelle les droits constitutionnels. Eh bien oui, la liberté de l'homme. Mais aujourd'hui, cette liberté, vous ne l'avez pas. D'ailleurs, vous êtes déjà confiné dans la maison. Vous ne savez pas sortir à partir de 22h dehors. Chacun de vous commence à courir comme une poule pour rentrer chez lui. Pourquoi? Ben, parce qu'on a et à pouvoir mettre des imitations. Ben, bon, c'est comme ça. Mais c'est pour dire que nous ne nous rendons pas compte, effectivement, que les choses se mettent progressivement en place. C'est comme si des tests, effectivement, pour voir comment il va réagir. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Et on fait ça, on dit, ah, tout ce n'est comme des moutons, il n'y a pas de problème, en fait. Bien sûr que oui. Mais en fait, c'est comme ça que les lois et les décisions vont être prises. Parce que si maintenant on vous dit, vous n'allez pas faire ceci, on ne fait pas ceci, effectivement, avant de le faire, il faut passer d'abord par tuin, effectivement, que vous allez faire, effectivement, aussi. Donc, c'est-à-dire que votre liberté à vous, elle est bien trop petite. Et vous ne voyez pas tellement très bien. Mais c'est là qu'on peut voir que la Vierge sage commence à pouvoir quand même sentir que ici, il faut que je puisse quand même vérifier tout ce que j'ai. Hein. Si j'ai besoin de cela, hein, c'est qu'il faut que je puisse avoir mon huile pour que ça continue à pouvoir toujours. Oui, bien sûr, oui, ce n'est pas des histoires. Que la lumière, la lampe continue à pouvoir réellement aussi, hein, à pouvoir éclairer. J'ai besoin de cela pour bien voir, effectivement. Eh bien, oui. La lampe, vous connaissez bien, hein, la parole est une lampe. On sentit. Tant que nous comprenons qu'effectivement, que là, c'est absolument nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu, comme nous l'entendons effectivement, hein, ils devaient savoir, ils devaient réaliser que ce n'était pas eux, eux-mêmes par leur force, effectivement, parce que eux, pendant qu'ils étaient en Égypte, effectivement, ils n'ont su rien faire. Mais qui les a fait sortir? C'était pas eux. Sous les chaînes de Pharaon, effectivement, sous la colère de Pharaon, Dieu les a montré d'abord que Pharaon refusait, mais Dieu dit, mais je les fais refuser, effectivement, je vais toucher, mais dit, mais je vais d'abord, effectivement, les juger aussi davantage. Donc, ils ont vu la main puissante de Dieu. C'est quand même triste et douloureux, frère, qu'on arrive à ce point-là. C'est quand une circonstance, effectivement, arrive dans notre vie, effectivement, comme ça, paf, boum, on commence à poser des questions, beaucoup de non, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu crois en Dieu, c'est à Dieu, sache que les épreuves, tu en auras jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce que si tu as un temps de répit, eh ben, tu vas trouver plaisir au monde. Mais c'est pour ça que Dieu aime son peuple. Les épreuves sont précieuses pour nous. Il faut que ça puisse, vous savez, c'est important parce que un fils de Dieu ne doit pas se dormir sous ses lauriers en disant, parce que si quand tout va très bien, tu vas rien faire. Ah oui. C'est sûr et certain. Voilà pourquoi que Dieu, quand il aime, il permet qu'il y ait des épreuves. Quand les épreuves viennent dans ta vie à toi, et que ça devient comme si, mais comment je sais plus vivre, effectivement, ce qui veut dire qu'effectivement, que c'est que Dieu t'aime beaucoup. Mm-hmm. Parce que les épreuves, les difficultés dans ta vie à toi, te poussent à pouvoir chercher Dieu. Mais si tout va bien, tu vas chercher Dieu pourquoi? Tu es dans la loisiveté, tout va tellement très bien, tout baigne bien, tout ça va très bien. Tu vas même pas prier, effectivement. Mais c'est quand les choses deviennent tellement corsées. Et bien sûr, vous voyez que pour que l'évangile soit aussi répandu partout, les apôtres voulaient bien rester avec les frères qui étaient là, effectivement, ainsi de suite. Hein. Ah oui, parce que bon, on va partager à Jérusalem, on va cesser là, tout sera seulement ici. Il n'y a pas de problème, effectivement. Ah, Dieu a permis qu'il y ait la persécution. On commence à aller chercher, effectivement, il devait fouiller. Pendant qu'il fouillait, il prêchait la parole de Dieu à gauche. C'est comme ça que la parole s'est répandue. Ah ben oui, Dieu est plus sage que nous, en fait. Il connaît que nous sommes tellement des gens qui aiment tellement le confort. Il faut qu'on serre un tout petit peu. Et quand Dieu te serre, c'est parce que Dieu t'aime. Alors ne murmure pas. Souviens-toi, effectivement, de ce que... D'abord, il faut que tu puisses d'abord te rendre compte qu'il y a eu une communion entre toi et Dieu, hein, d'une certaine manière. Parce que c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, mon frère, ma soeur. On ne doit jamais avoir des habitudes quand il s'agit des choses qui concernent Dieu et dans son temps. Même pour chanter Dieu. Il ne faut pas se commencer une semaine ici et on commence à chanter avec l'habitude. Alléluia, gloire à Dieu. Non. Quand tu chantes, effectivement, sois dans la position que tu glorifies Dieu pour ce que ce Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait aussi pour toi hier? Est-ce qu'il va aussi faire aussi pour toi demain? C'est que tu, les croyances, ce sont les habitudes, effectivement, ça devient, ah,
tellement comme c'est des choses qui sont normalement normales, on reste seulement comme ça, on vient, on prie. C'est ça ce qu'on a appelé l'esprit de domination, l'esprit religieux, effectivement. Sinon, on fait les rites, on fait ceci, on pense que Dieu est content de cela. Non. Dieu, ce qu'il veut, c'est un sacrifice vivant. Donc, toi-même, te mettant dans ce qu'on dit. Donc, nous réalisons qu'effectivement, ils avaient oublié que le fait de sortir ici, effectivement, que ce n'était pas eux qui avaient fait les miracles. C'était Dieu qui a fait les miracles, effectivement. Il a fait traverser la mer, effectivement, même dans les déserts. Donc, effectivement, arrivé là, Calais Barnea, on a vu qu'effectivement, que c'était, effectivement, que la manière, c'était effectivement comme Dieu l'avait dit. Il devait sauter, glorifier Dieu, effectivement. Et qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est comme Dieu l'avait dit, mais, frère, oui, vous avez prié pour moi. J'ai senti quand même que pendant que j'étais là, à la chair, à genouiller, et quand même vous avez prié, posé les mains, j'ai senti quelque chose qui est rentré en moi. Je me suis senti bien. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai senti quand même que la douleur est revenue. C'est comme si j'ai perdu la guérison que Dieu m'avait donnée. Le mais là, eh bien, permet à ces démons qui avaient été chassés de revenir. Ah oui, oui, oui. Parce que bon, puisque tout est par la foi. Regardez comme nous l'avons dit, effectivement, on va aller un peu plus vite. Mais c'était à la postérité d'Abraham que Dieu avait fait la promesse de pouvoir prendre possession de la terre promise. C'est sûr et certain. Et tout au long du chemin, effectivement, j'étais tellement si nombreux. Et Dieu a pris soin d'eux d'une manière tout à fait particulière. Parce que il avait fait la promesse à Abraham. Cette promesse était faite à la postérité d'Abraham. Tout au long du chemin, tout en marchant, effectivement, la nature de tout un chacun montrait que ici, il y a un souci. Parce que un fils de Dieu ne peut pas tout le temps être dans les doutes, ou bien, et que ça va pas, et toujours un peu, aujourd'hui c'est comme le concombre, demain c'est comme l'arbre qui est redressé, et puis après, non, en fait, il doit savoir de quelle nature il se trouve. Mais dans la marche, effectivement, du désert où ils étaient, on a pu voir, effectivement, combien ils murmuraient. Et puis, on a pu voir même quand, à un certain moment, le Seigneur s'était même en colère. Et puis, c'est Moïse qui s'est interposé. Parce qu'il dit, mais ce peuple est un peuple courageux. Je veux le détruire et faire de toi un autre peuple. Il a dit ça à Moïse. Moïse s'est incliné. Non, Seigneur. Que diront donc les nations? Que tu étais incapable? Oh non, tu n'es pas comme ça, tu es capable. Donc, Moïse rappelait à Dieu sa capacité pour que sa colère puisse se calmer. C'est toi qui as fait la promesse à Abraham. C'est toi qui as dit, effectivement, Seigneur, souviens-toi que tu es un Dieu riche. Là, la colère riche en bonté, effectivement. La colère de Dieu s'est calmée. Et Dieu a continué à marcher avec Dieu. C'était toujours comme ça, un peuple qui murmurait tout le temps. Et c'est vrai, frère et soeur, ça. La nature de l'homme ne change pas souvent, mais il faut qu'il ait la grâce de Dieu pour qu'il puisse recevoir ce qui est nécessaire pour que sa nature puisse changer en rapport avec les choses qui concernent donc Dieu. Voilà qu'ils sont arrivés à Kadesh Barnea, après avoir vu tous ces miracles que Seigneur, tout au long du désert, il se donnait la peine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, malgré qu'il murmurait, malgré qu'il disait, oui, Dieu était capable, il ne se rendait pas compte que leurs vêtements ne s'usaient pas, Dieu prenait quand même soin d'eux. C'est vrai, mon frère. Observe quand même toi aussi, ma soeur, malgré les difficultés par lesquelles tu passes, où tu vas dire, oh, c'est possible, est-ce que c'est possible? Mais Dieu prend soin quand même de toi. D'une manière ou d'une autre, il pourvoit pour tes besoins. Parfois, tu dors, tu ne sais pas comment l'ennemi t'en va préparer les plans pour toi. Dieu combat pour toi. Et le matin, tu ne penses même pas pouvoir les glorifier. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, parce que pendant que je dormais, toi, tu veillais sur moi. Juste un merci. Parce que Dieu veut aussi qu'on lui soit reconnaissant, comme toi et moi, nous avons besoin que quelqu'un nous dise aussi merci. Dieu veut aussi qu'on lui soit reconnaissant. Souvenez-vous, pendant les 10 lépreux. Oui. Il les a guéris, effectivement. Et ils sont partis. Ils étaient contents, ils voyaient qu'ils soient guéris. Ils faisaient, oh là là, là, chacun va dans son business. Mais il y en a un, en partant, il a mis un frein. Il dit, non, que Dieu te bénisse. Il dit, non, que te bénisse, mon précieux frère. Il dit, non. Si je suis devenu comme ça, c'est que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Sans lui, il ne veut pas être comme ça. Souviens-toi, sœur. Souviens-toi, frère. Ce que c'est Jésus de Nazareth a fait pour toi. Amen. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas l'amour de Dieu à ton endroit. Jamais il t'abandonnera.
Il n'est pas un Dieu qui sauve aujourd'hui et qui demain il va te perdre. Non, il a dit mes brebis, c'est dit que ça lui appartient. S'il t'a sauvé, tu lui appartiens. Il dit ils sont gravés dans la paume de ma main, nul ne les ravira. Tu peux avoir des épreuves, mais personne ne peut arracher la main du Seigneur parce que tu lui appartiens. C'est écrit dans Jean chapitre 10, mon frère et ma soeur. Lisez, c'est la Bible. Nul ne les ravira de ma main parce qu'ils sont à moi. Ah, si tu lui appartiens, mon frère et ma soeur, sois en paix. Le combat, tu les armes, la victoire, il l'a donné. Et c'est pour ça que c'est l'épreuve, il est revenu. Il a dit, Rabbi, c'est même, j'ai dit, mais je te remercie. C'est ça la reconnaissance. Dieu, le Seigneur, veut voir combien ton cœur à toi est touché pour lui dire merci. C'est pas comme nous, on dit, bon, oui, merci, 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 hein, merci. Non, non, non. Même toi, même si, bon, si Dieu fait quelque chose, il dit, bon, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. C'est merci, là, ne te touche pas vraiment. Mais un merci où tu vois quelqu'un qui dit, ah vraiment, il s'est dérangé, il a fait ça pour moi, ma soeur, vraiment mon frère, merci de tout mon cœur, vraiment, je sais pas quoi faire pour toi, mais je te remercie. Ça, ça veut dire un fond de cœur. Ça, c'est ce que Dieu attend. Comme c'est le point quand il est venu, il s'est dit, mais j'étais mourant, personne ne veut me toucher, moi, évidemment. Maintenant, je vois que même tout le monde peut m'embrasser aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à qui? C'est pas à moi, mais c'est toi qui as fait cela pour moi. Je reviens pour te dire merci, Seigneur. Mon frère et ma soeur, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie à toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ce que tu es, bien sûr. C'est sûr et certain. Mais tu oublies cela à cause de l'amnésie, effectivement. Quand un prophète dit, oh, mais est-ce que Dieu est capable? Mais Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie personne, certainement, c'est vrai. Il se souvient de toi, même de ce que tes ennemis ont fait. Il se souvient de ce qu'ils ont fait à toi. Il dit, je me souviens de ce qu'Abalek fait à Israël. Donc Dieu se souvient de tous les bienfaits que tu lui fais, et aussi ce que les autres, les mal qu'ils te font, effectivement, parce qu'ils devront payer pour ce qu'ils ont fait à ton endroit. C'est ça. Ce n'est pas un homme comme moi qui peut avoir parfois la mémoire d'oubli, mais c'est un Dieu qui n'oublie rien. Il a dit qu'il était l'alpha et l'oméga. Ah oui, hein, le premier et aussi les derniers. Et ils ont dit que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Oui, mais en fait, vous avez oublié que c'est lui qui vous conduit et plus que capable. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit quelque part dans les Saintes Écritures que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous a vraiment aimés. Parce que ce que le Seigneur a fait pour nous, effectivement, personne. Parce que l'œuvre de la rédemption, le rachat qui a été accompli, effectivement, par notre Seigneur, il n'y a aucune. Vous savez, parce que quelqu'un d'autre pouvait dire, bon, peut-être, je peux dire, comme par exemple, quelqu'un qui nous a parlé ici, quelqu'un, vous vendez quelque chose qui est à vous, soit votre vache, ou je sais pas moi, ou votre bien, ou votre maison. Et puis, vous avez mis un prix, et qui est là, ce prix, et que bon, par exemple, bon, ma maison, je la vends à 50 000 euros ou 60 000 ou 100 000 euros. Et puis, il y a un qui vient, qui dit, ah, je vais vous payer 100 000 euros, effectivement. Et puis, quelqu'un qui avait vu cette maison, effectivement, qui ça l'a plu, il a vu la configuration et tout ça, tout ceci, il dit, en tout cas, moi, je veux cette maison-là. Il peut venir en disant, non, monsieur, écoutez, lui, vous donne combien? 100 000. Moi, je vous donne 150. Il en chérit, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce que le monsieur va dire, effectivement, bah, écoutez, monsieur, il y a celui-ci, il donne 150 et 300 000. Et il faut augmenter un peu. Mais si lui ne sait pas avancer, mais celui qui a 150, il dit, écoutez, moi, je te 750, je te vends ma maison. Donc, ça veut dire qu'on peut encore enchérir là-dessus. Mais le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour toi, il n'y a aucun ange. Il n'y a même aucun, personne. Amen. Personne ne peut, frère, parce que c'est un prix que même pas un ange ne peut atteindre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, effectivement, parce que Dieu n'a pas de sang. La Bible dit que Dieu est esprit. Ah oui, moi c'est sûr et certain. Ah oui, vous direz, mais frère, comment ça se fait? Parce que Dieu n'est pas un humain. Vous me regardez et dites, mais frère, je vous pose une question. Pour que vous puissiez. Voilà pourquoi vous devez être spirituel, effectivement, aussi. Dans chapitre 5 d'Apocalypse, vous vous souvenez? Qu'est-ce que nous a dit? Nous voulons lire avec vous, afin que vous puissiez voir. Ah oui. Chapitre 5. On nous dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre qui en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Vous entendez cela? Celui qui était assis sur le trône. Mais ce n'est que Dieu lui-même. Mais parce que dans le chapitre 4, effectivement, il dit, tiens, tiens, c'est l'éternel notre Dieu. C'était celui qui était assis sur le trône. Bien sûr que oui.
c'est, vous lisez bien, non? Celui qui était sur le trône, celui qui avait les titres de propriété. C'est ça, en fait. Non. Maintenant, écoutez bien, très bien, l'ange vient et pose la question. Regardez très bien. Il devient un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. En fait, on cherchait un parent rédempteur. Bien sûr que oui. Mais on n'a pas vu que celui qui était sur le trône s'est levé. Non! Ah oui? Parce qu'on ne cherchait pas Dieu, on ne cherchait pas un ange. Non, monsieur, on cherchait un homme. Dieu est esprit, l'esprit n'a pas de sang. Amen, amen. C'est ça que vous devez comprendre, frères et sœurs, parce que je crois que même Satan et les démons ont été troublés, parce que, vous savez, quand on demande comme ça, on devait trouver effectivement, mais on a regardé, on a même dit qu'on a regardé en haut. Vous voulez lire avec vous, hein, parce que parfois c'est peut-être l'amnésie. Il dit ceci, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, vous entendez très bien, dans le ciel, on n'a pas omis le ciel, dans le ciel, le ciel est mon trône. Et puis, ni sur la terre, ni sous la terre. Donc, on a fouillé partout. Parce que, il fallait que, regardez très bien, que, s'il vous plaît, prêtez attention à cela. Regardez très bien ici. L'Écriture dit effectivement que, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, mais qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Donc on cherchait quelqu'un qui était digne. De prendre un livre, effectivement, de la main de celui qui était assis. Maintenant, regardez très bien. On nous dit, mais et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici donc les lions de la tribu de Juda, et le rédempteur de David, effectivement, a vaincu. Pourquoi? Pour ouvrir les livres, et c'est cette chose. Regardez très bien. Et j'ai vu au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, vous vous souvenez des quatre êtres vivants, non? Chapitre 4. Et au milieu des veillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il était où? Parce qu'on a regardé, effectivement, on a vu que c'est exactement celui qui était assis sur le trône. Bien sûr que oui. Parce qu'on cherchait, un parent rédempteur. C'est là que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est que ça répète. Nous continuons pour vous voir clairement. Et puis, elle est très bien. Et l'agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Maintenant, elle est très bien. Suivez très bien. Verset 7, il dit, il vint. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il prit le livre de qui? De la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc vous voyez, celui qui était sur le trône était tout sur le trône. Mais il fallait qu'on trouve celui qui était digne. Donc il est venu donc pour prendre les livres. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a aucun prix qui pouvait être payé, qu'on peut encore dire, mais on se dit, je peux encore payer. Personne ne peut le faire. Il n'y a aucun esprit, personne ne peut le faire. Il n'y en a aucun. Parce que là, il fallait un homme. Mais cet homme était particulier. Il devait être 100% Dieu. Et 100% homme. Alors, qui pouvait être 100% Dieu et 100% homme? Si ce n'est que Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on lui dit qu'effectivement, que Dieu, notre Seigneur, il est merveilleux. Il a créé cette cellule de sang dans Marie. Ah oui, monsieur, oui, madame. C'est là qu'on voit la puissance. C'est pour ça que nous puissions comprendre. Oh. Aïe, aïe. Que nous puissions comprendre, mon frère et ma soeur, qu'on ne doit pas jouer avec l'évangile. C'est tellement profond et puissant. Parce que. C'est pour ça qu'on dit que le sang de Jésus-Christ, quand vous comprenez cela, frère et soeur, c'est par ce sang que vous et moi, nous avons été rachetés. Et c'est pour ça qu'on dit que ce rachat est un rachat éternel. Ça veut dire que. Il n'y a personne qui peut encore dire, mais j'ai le droit, je peux encore payer sur lui. Non, puisque c'est lui qui a payé le prix, il t'a racheté une fois pour toutes. Il n'y a pas encore notre valeur qu'on peut payer plus que ce qu'il a payé. Parce qu'il n'y a personne qui peut le faire. On a même regardé, on a demandé, même dans le ciel, on pouvait même trouver un ange puissant qui pouvait arriver à pouvoir avoir la possibilité de s'approcher pour prendre. On n'a pas trouvé. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Ni sous la terre. Alors, il était où?
C'est pour ça qu'on dit effectivement qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Ah oui, c'est une manière puissante et un mystère de Dieu de pouvoir faire des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement des hommes. Mais que Dieu nous révèle, sa parole est faite. Donc, nous continuons en disant que lorsqu'ils sont arrivés, aïe, nous allons nous arrêter, arrivés à Kadesh Barnea, ils ont dit qu'effectivement que ce pays est comme le Seigneur notre Dieu l'avait dit. Mais ils ont rajouté un mais. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 4, on nous dit que craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore aujourd'hui. Et, car cette promesse nous a été faite, nous voulons lire cela, nous allons prier ensemble avec vous, hein, que nous comprenions cela, parce que le temps file vite aussi chez nous ici. Alors verset 2, il dit, Hébreux 4, 2, il dit, parce que là nous avons entendu effectivement dans le chapitre Hébreux 3, c'est qu'il dit, mais je jurerai donc dans ma colère, parce que là comme ils avaient eu, et je voudrais peut-être déterminer là effectivement aussi, hein, et il dit ici au chapitre 3, vite, verset 10, il dit, aussi je jurerai dans, je fis donc irrité, parce que pourquoi vos pères m'étentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans, et aussi je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, malgré tout ce qu'ils ont vu. Malgré même le rocher qui les suivait, effectivement. Malgré tous les biens que Dieu a pour faire, effectivement. Oui. Ils marchaient et Dieu protégeait leurs pieds, protégeait leurs vêtements, leur nourriture. Et puis il dit ici, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Et puis il dit, je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Pourquoi douterais-tu des Seigneurs? Pourquoi commencerais-tu à pouvoir te poser la question, est-ce que Dieu est-il capable de me faire sortir effectivement la situation dans laquelle je me trouve? Pose la question aux trois Hébreux croyants. Ils vont te répondre. Vous vous souvenez des trois Hébreux croyants, n'est-ce pas? Bien sûr, la fournaise chauffée. Ils ont dit, sache au roi que notre Dieu a la capacité de nous faire sortir cet endroit-là, effectivement. Pose la question, monsieur Daniel, de la fosse aux lions, s'il n'allait pas être happé par les lions, s'il n'allait pas être mangé par les lions. Mais Daniel savait qu'effectivement, même le roi disait, les matins qu'il est venu, oh, Daniel, c'est parce qu'il n'a pas dormi toute la nuit, effectivement. Cet homme, il aimait tellement Daniel, effectivement, parce qu'il savait que c'était par jalousie, effectivement, qu'on l'avait mis dans cette situation, effectivement. Il est pleuré, la nuit, la journée, sur la dinde de lieu, effectivement. Il dit, oh, Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de dévouement, t'a-t-il protégé? Il entend la voix qui sort là-bas, dit Daniel, oui mon roi, mon Dieu m'a protégé. Oui, alors il dit, loué soit le Dieu de Daniel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, nous avons des témoignages de notre vie pour pouvoir rendre aux hommes, afin que nous puissions être fortifiés dans la foi. Prenez courage, il revient bientôt, mais nous avons besoin de voir nous accrocher à lui. Lève-nous, nous allons prier. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les jours. Avec toi semble-nous, agneau de Dieu, qui ne voudrait te suivre, jusqu'à toi qui mourut pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri qu'un peuple achète. Okay.
croisant tous nos voeux, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même, un peuple de vainqueurs jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri qu'un peuple acheté.